également située entre mer et montagne, et ville-centre d'un territoire de 12 communes devenues métropole au 1er janvier 2018, Toulon bénéficie aujourd'hui d'une nouvelle image et d'un dynamisme reconnu. Avec ses 169 500 habitants, soit 9 000 de plus qu'en 2000, Toulon affirme sa croissance démographique. Classée 10e sur 100 des villes où il fait bon entreprendre, elle a également reçu le trophée de la meilleure transformation urbaine, remis par le CIATI. Toulon est au cœur du bassin d'emploi le plus important du département et enregistre un taux de chômage en baisse depuis 15 ans, moins 4,4 points depuis 1999. Son pôle universitaire diversifié accueille 14 000 étudiants par an, soit 10,5% de plus qu'en 2012. Elle est aussi reconnue commune touristique labellisée Pavillon Bleu et vient d'être classée deuxième meilleure station balnéaire au monde par la chaîne de télévision américaine CNBC. Pour garantir ce dynamisme, la ville s'attache à assurer un développement durable du territoire, à promouvoir le tissu économique local, à développer l'offre culturelle, événementielle, sportive et touristique, à renforcer le lien social et la tranquillité publique, à poursuivre l'amélioration du cadre de vie, à renforcer la proximité dans les quartiers et enfin à recréer le lien ville-mer. Il y a 2000 ans, la ville accueillait les navires romains et s'appelait Tello Martius. Plus tard, sous les règnes de Louis XIII et Louis XIV, le port de Toulon voyait sa vocation militaire affirmée et la ville allait grandir au rythme de la croissance de son arsenal maritime et du développement de la flotte. Et si elle a souffert des tourments de l'histoire et des épidémies, la ville a également vu l'avènement de personnages légendaires tels Bonaparte, avant de connaître, au XIXe siècle, une expansion urbaine importante avec la naissance de la haute ville et de ses constructions haussmanniennes. Enfin, profondément marquée par la Seconde Guerre mondiale et ses heures les plus noires, Toulon fut en grande partie détruite par les bombardements et a dû renaître de ses cendres pour relever les défis du monde moderne. Aujourd'hui, premier port militaire français, Toulon est le port d'attache du porte-avions nucléaire Charles de Gaulle et de la flottille de sous-marins nucléaires d'attaque, en même temps que le siège de la force d'action navale. Après des années difficiles, elle se redonne, depuis 17 ans, les moyens de réussir son avenir tout en privilégiant le bien-être de ses habitants. Aujourd'hui, la confiance est revenue. Il a fallu 17 ans pour faire battre à nouveau le cœur de ville, pour faire entrer le soleil, pour paver les rues, refaire les places
créer des fontaines, redynamiser le tissu commercial, la vie culturelle et favoriser l'arrivée des étudiants. En recherche de qualité de vie, une population active prend plaisir à réinvestir les lieux. Le musée d'art, entièrement rénové, recevra dès 2019 des expositions de dimension internationale. Le chantier du quartier de la connaissance et de la créativité avance à grands pas. Il s'articule autour de la médiathèque qui sera la plus grande du Var. Quant aux halles, leur réouverture s'accompagnera d'une nouvelle dynamique pour l'ensemble du secteur. Toulon, c'est encore un environnement naturel privilégié, préservé, et un milieu urbain sans cesse amélioré. hectares d'espaces verts en ville, 80 parcs et jardins, 35 km de littoral protégés par un contrat de baie, une biodiversité reconnue par la Ligue de protection des oiseaux. Et Toulon est une ville où nos compagnons à quatre pattes ont toute leur place. La création du CSU a permis à la ville de franchir un pas considérable dans sa politique de sécurité et de tranquillité publique. Il gère aujourd'hui un parc de 300 caméras dans toute la ville. Toulon, c'est aussi une ville où sport, culture, loisirs, animation ont largement le droit de cité. Chaque public y trouve sa passion, chaque sportif y trouve son terrain, chaque génération y trouve des occupations adaptées.
La vie culturelle toulonnaise propose un calendrier de plus en plus riche. Et si le public est toujours plus nombreux à goûter les grands classiques, les arts émergents, les initiatives novatrices et les rendez-vous inédits apportent un souffle nouveau et enregistrent eux aussi une fréquentation à la hausse et un notable retentissement. Le nombre de visiteurs et les retombées nationales de la première design parade de l'été en sont d'ailleurs un brillant exemple. Aujourd'hui, Toulon est une ville animée, dynamique et active, qui préserve son histoire, ses traditions et sa qualité de vie. Nous sommes sur le chemin du succès. Ce chemin, nous vous invitons à le poursuivre avec nous et à construire ensemble le Toulon de demain.